9 mois, 19 jours, c'est un bilan très positif qu'il finit là. Mon travail et négociation finit bien déroulé avec l'ancienne direction et le board. Nous sommes capables d'assurer qu'il y a la continuité, dialogue, négociation qui peut continuer. Et la situation à l'MBC, c'est business as usual. Il n'y a aucune tension. Tout le monde travaillait, nous, on a pu faire le travail. Avec l'arrivée de M. Anouj Ramsaran comme directeur de l'MBC, et c'est un enfant de la cage, qui est un ancien secrétaire syndicat. Et Zodi, il vient dans la tête de l'MBC pour nous assurer qu'il peut plus comprendre les issues que le syndicat peut apporter avec lui. Au niveau de l'MBC, ça, on travaille avec n'importe qui direction, n'importe qui management qu'il a, dans l'intérêt de mon staff et de la corporation. Nous venons apprendre à travers un journal qui a une pétition fin atterrir au PMO Office de la part de certains staffs de la corporation. La MBSSA nous finit faire une petite enquête auprès de nos membres et nous finit apprendre que nos membres pas au courant d'aucune pétition qui finit circuler. Nous finit demander au PMO de donner nous une copie de sa pétition qui nous appelle pétition fantôme et si c'est le cas pour nous, nous sûr qu'il y a une falsification de signature. Nous attendons qu'il nous gagne une copie de sa pétition-là, mais entre-temps, il y a un papier qui finit circuler à l'MBC qui nous demande de dissocier Zot de sa pétition fantôme. Si nous demandons Zot non trouve là-dedans une falsification de signature qui salit notre réputation, nous attendons que PMO réponde nous si vraiment il y a une copie, nous ne pouvons pas être devant. Nous pouvons être derrière, nous parlons directement, nous pouvons faire le cas à la police. Nous pouvons référer ce rapport au PRB qui, dans le passé, tout ban poste, tout ban promotion qui finit bloqué. Parce qu'il y a beaucoup de mal donné qui tient dans un ancien rapport au PRB. Donc, nos priorités, c'est qu'il nous pouvons faire une consultation qui pour commencer bientôt, MBSSA. Donc, on peut définir un plan de travail avec tous les représentants, tout département MBC. Un journal qui nous fait mettre un article mardi, qui nous cite syndicat. Et le reporter là dit qu'il nous fait une confusion. Il cite syndicat. Donc, je peux faire un appel à tous les camarades de la presse. Si je cite MBSSA, je téléphone à un membre MBSSA, soit président, soit secrétaire MBSSA, pour demander, pour contre-vérifier si l'information là bon ou bien n'est pas bon. Et que je peux faire un appel à cet employé syndical là, qui dans syndiqué, qui est syndiqué, qui se sentent lésés dans n'importe quelle façon. Vingt ban membre exécutif MBSSA. Mais aujourd'hui, nous pas besoin d'oublier qui aujourd'hui syndicat peut travailler avec direction qui fait indépendant. Nous peut garder notre indépendance. Personne pas perdre la ligne. Pour bien-être ban employé. Et que nous pas besoin d'oublier aussi que tout ça ban affaires qui piale dans la presse, qui peut salir un directeur par intérim, nous pas besoin d'oublier si c'est un membre syndicat. Si demain aussi, si M. Anouj Ramsaran vient pour demander nous l'aide, soutien, nous pouvons donner parce que premièrement, pour nous, les directeurs par intérim peuvent faire un travail continuel à la MBC, mais seulement aussi les besoins flair dans fluidité. Donc, nous n'avons pas besoin d'oublier qu'Anouj Ramsaran aussi, comme directeur pour intérim, il y a un membre syndicat. Et dans des trois jeunes qui peuvent s'aimer la zizanie, pas peut laisser ce travail-là faire. Nous les faisons faire mal. Quand nous trouvons dans un journal qui est un membre syndicat, quand cause employé MBC, c'est qui? Oh, ça veut dire, par exemple, dimanche, il y a nous pas pour citer nos journal, un article qui est l'équipe MBC, il ne prend pas au lit. Il a ouvert un congrès, un parti politique, selon nostalgique le passé. Mais je veux comprendre comment on voit MBC. L'équipe, la journaliste, le journaliste, il n'est pas capable de prendre un caméraman ou un chauffeur. Parce qu'il commence à nous sortir tout ça fait register. Et nous ne pas pour qu'aucun savant de monde qui peut s'en la zizanie, c'est aucun labou dans aucun savant membre syndical qui plus que 400 membres. Parce qu'il nous n'a pas envie. MBC roule comme on le disait bien sur les rails.